On nous propose aussi de définir un plan climat au sein de l'Assemblée nationale, avec une adaptation et une réduction de la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique. Et nous avons une proposition sur la création d'un potager en aquaponie sur les toits afin d'alimenter la cantine. Excusez-moi. Je découvre un mot. Quelqu'un connaît l'aquaponie? Bon, l'aquaponie est une contraction d'aquaculture, d'élevage de poissons et hydroponie, culture de végétaux hors sol. L'aquaponie est donc une symbiose. Excusez-moi. Je ne peux m'empêcher de voir un poney. Non, mais en plus, ça a l'air très intéressant. Donc, symbiose entre les végétaux, les poissons et les bactéries, ce qui crée un mini-écosystème naturel où les déchets d'un élément deviennent la nourriture d'un autre élément dans le même système. Et cette technologie de culture, qui n'est pas que du jardinage, parce qu'elle est basée sur l'autonomie et l'indépendance alimentaire pour des familles ou des collectivités, et donc l'aquaponie pourrait se mettre en place sur les toits de l'Assemblée. Ceci est une proposition que je suis certaine que vous ne manquerez pas d'étudier avec nous. Nous verrons ce qui est possible de faire. Et enfin, dernière suggestion de ce groupe, l'Assemblée nationale pourrait peut-être aussi travailler avec l'association Agripolis